Oui, hop. Et bonjour à tous, c'est Alain Toundra et aujourd'hui on se retrouve évidemment sur un rétro-test aujourd'hui sur la Game & Watch, sur la Game Boy aujourd'hui, sur la Game & Watch Gallery 2, sortie en 98 au Japon puis aux États-Unis, puis sorti en 99 en Europe. Donc c'est le deuxième opus de Game & Watch qui était sorti en 95 au Japon, puis sorti en 99 aux US et en Europe. Je crois qu'il était sorti en Europe en 97, me semble-t-il. Mais je crois que c'était. Bon, après, c'est un jeu où vous avez entièrement de mini-jeux, vous avez des compilations de mini-jeux. Vous devez absolument peut-être pas le nom, mais augmenter de points, ensuite aller en level, ensuite une fois que vous avez fait le level, vous remportez une étoile. D'après ce que j'ai cru comprendre, mais bon après ça c'est une sorte de Mario Party version Game Boy en fait. En gros. Mais ça s'agit d'une version remasterisation d'une Game & Watch, mais pour un hommage de la Game & Watch en fait. C'est un jeu qui rend hommage à la Game & Watch en fait. Un ancien jeu de Game & Watch qui, comme quoi c'était un ancien console de portable de Nintendo qui était la première 8 bits un peu à la Atari 2600, mais beaucoup plus épique, on va dire. Alors, Wii View. Parce que la Game & Watch, c'était une console portable à l'époque. Et ensuite, c'était devenu très 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 mythique et devenu de plus en plus intéressé par les fans et vendu dans le monde, à travers le monde, entre les États-Unis, l'Europe et évidemment son pays d'origine qui est le Japon. Et le concepteur, c'était Game & Watch, qui était le grand innovateur, concepteur de cette console Game & Watch. Voilà. Donc du coup, alors Gallery Corner, c'est une sorte de mode où vous pouvez, par exemple là, on va débloquer le mode musée, enfin le musée. Ensuite, note. Alors ça semble, c'est une sorte de boîte mail. Du jeu, et une fois que vous avez fini de lire, c'est stocké dans vos petites archives. On va dire plutôt un archive dans ce jeu. Voilà. Donc, du coup, on a le mode Wii View Gallery et ce qui est le mode bonus en fait. Et ensuite, Player. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi le truc il s'est affiché. Alors, c'est difficile, j'arrive pas à savoir pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Bref, alors parachute, on y va. Hop, je vais commencer directement par parachute. Allez, vas-y. Oh, c'est un mini-jeu plutôt sympathique. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre. C'est vrai, vrai, vraiment, mais des jeux sympathiques, franchement, à aller. Paf. Ah oui, d'accord, il rebondit sur le poisson, d'accord. Ah oui, on a aussi Toad, on a aussi Toad, Yoshi et Donkey Kong, et le mini Donkey Kong Junior. Ok. Bon, ça marche. Le but est d'aller à 100%, il me semble. Bon, là, je suis arrivé au niveau 2 sur le mini-jeu sur Donkey Kong, mais ça, il faut que je vous le montre en fin de compte. Bon, après, j'ai prévu de vous tous les montrer. Hein. Bon, après, la jouabilité est plutôt satisfaisant, je trouve, parce que, bon, après, par contre, ça va suivre au niveau du rythme. Attention, pour éviter que il tombe et voilà. Et merde. Et que le poisson le gobe. Ah d'accord, carrément le poisson gobe. Ah putain, mais c'est pas vrai. J'ai fait tomber deux fois. Et il y a la musique qui se retentit en plus.
Oh putain la vache. Oh c'est dur, oh que c'est dur. Hein. Ah c'est une version un peu plus version moderne et Game Boy. Allez! Il faut que ça suive un peu la cadence là quand même, bidoya. Eh merde, putain! Je suis pourtant allé sur la droite quand même. Bon, eh ben tant pis, game over. Oui, bon ça, encore un nouveau poste. Ça s'en fout un peu. Alors, on va pas passer à Helmet. Et ce machin là qui arrête pas de s'afficher là, c'est relou, putain, mais qu'est-ce qui s'y passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et merde, je me suis fait heal. Oh putain, espèce d'enfoiros. Oh la vache. Déplace-toi, putain, mais déplace. Putain, mais il est lent celui-là. Et merde. Bon, ça c'est ma faute, j'aurais pas dû me déplacer sur la droite. Et le marteau m'aurait tombé sur la tronche. Bon, tant pis. On va. Mais putain, mais. Et handicapé, putain de jeu. Allez, en fait, le but est de parcourir avant que le marteau vous tombe sur la tronche. Et ça a toujours été un véritable difficulté de ce jeu. Allez, chef. En fait, Peach, le but, c'est que Peach doit rebondir déjà quelques œufs ou quelques saucisses de Francfort ou encore je ne sais quoi. Et ensuite, les offrir à Yoshi pour qu'il gobe. Voilà. Ah, par contre, si par malheur on grille beaucoup trop, bon après à ce moment-là, la charcuterie deviendra de plus en plus noire et sera trop grillée après, et Yoshi se rétrécira. Ce qui est plutôt pas mal. Ah oui, on peut changer de sens aussi. Voilà, bon. Là c'est bon. Ah, pour augmenter aussi plus de points, il me semble. Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre. On peut aussi augmenter des points une fois qu'on a bien crié les plats en fait. D'accord. Hop, on a un petit son là. Voilà. Oh putain, je vais les griller là. Bon, bah tant pis. Il sera rétréci. Ah, l'interaction de fou. Je peux faire ça tous les jours, ça me dérange absolument pas en fait. Magnifique! Magnifique! Je peux rester tout le temps là-dessus. Ça ne me dérangerait absolument pas en fait. Allez, c'est bon. Oh putain, attention! Ah bien! Il s'agrandit, superbe. Oh putain, la vache! Attention, le rythme ça va augmenter là. Putain, à chaque fois, quand un ingrédient atterrit à sa poêle, elle arrête pas de lever le pied là. C'est incroyable, hein. Incroyable, elle lève à chaque fois le pied, c'est fou ça, putain. Bon, allez. C'est bon, c'est bon. Putain, ouh la vache. Faut pas me lancer de loin, les gars. Les deux chefs là, Mario et Luigi là, les deux chefs étoilés là. Les deux chefs étoilés. Attention, il va nous envoyer quelques. Oh le bordel! Et merde, voilà! L'interaction où Peach se forogne. Ah, trop fort!
Rebelote, bon ben ça a coupé, désolé encore. Ça fait trois fois d'affilée que là ça a coupé, hein. Et merde. Ça fait trois fois que ça a coupé depuis, Rockstar Trophy et Super Mario Land 2. Et bien Rebelote, on va encore être coupé, ça c'est chiant. Je vous assure, hein, ça a toujours été aussi chiant. Et merde. Pourtant j'étais arrivé à 200. Et merde. Ah, j'étais à deux doigts de la voir, cette putain d'étoile à la con. 200 étoiles. Et merde. Et le petit bonus c'était à l'étoile quoi. Merde. Putain, c'est chiant la fin les gars. Bon. Alors on va changer de jeu alors. Allons-y. On va essayer le petit Yoshi là. Hop là, je te cogne dessus. C'est comme si on cognait. Je sais pas moi. C'est comme si on cognait. Comme une taupe en fait. C'est comme si on cognait. On avait une espèce de machine de taupe où on devrait cogner sur des taupes en fait. Eh ben c'est pareil. Faut protéger nos œufs là contre ces vermines là qui arrivent. Hop là. Allez, cassez-vous. Fumier. Putain, ça va de plus en plus accélérer là. Oh, le fumier, il va me faire un coup de pied sur mon œuf, lui. Oh, l'enfoiré, putain. Oh, le fumier. Saleté. Allez, dégage. Allez, mange boule, dégage. Oh, le fumier. Ils sont syndiques quand même. Putain, ils sont syndiques quand même, mine de rien. Oh, le fumier, bien. Ah, la musique elle est répétitive, mais c'est un truc de psychotique. Franchement, ce truc. Hein. Encore la version, encore celui du mini-jeu là où t'as les deux Mario qui sont chef étoilé là qui sont en train de. Oh putain, le fumier. Allez, là je suis à 100 pour. Je suis. Oh putain. Oh, on a des bouts. Oh putain la vache. Ouh. Allez, tiens, prenez-vous ça sur la tête là. Connard. Allez, eux ils sont syndics les bouts, franchement. Ils sont syndics. Allez, hop. Ah ça va, attends, on s'est fait pas fait heal nos on a rien de temps là. Bon ça va. Je joue bien, je joue bien comme un demi-god, donc c'est bien. Je joue bien comme un demi-god, les gars. Tout va bien. Allez. Ouh putain! Ah ça y est, je me suis fait heal. Il y a un de mes œufs qui se fait heal, c'est bon. Ah putain, il faut que j'ai essayé d'avoir le 200 là, c'est possible. Allez, allez, allez. Allez, hop. Entre le Koopa et les Marcos et les Marcos Saint, oh le fumier. Vous laisserez pas toucher à mes œufs. Putain. Saleté. Allez, encore une fois. Oh putain, allez, et deux, et un, je me. Et deux, deux, je me. Et deux, trois. Et de 3, ils sont nombreux ces connards. Allez hop, toi. Voilà, ça y est. Oh putain, les tops, ils arrivent. Les tops arrivent. Ah non. Et ils m'ont mis un petit cœur, mais ça c'est gentil de leur part. Oh putain, les bouts, ils sont syndiques, ces putains de bouts. Hein. Une fois qu'on les cogne, hop, c'est bon, c'est mort. Hop là. Oh putain! Oh putain, ça y est, je suis à 200, c'est magnifique là. Allez.
Putain. Allez, c'est bon. Allez, hop, c'est bon. Allez, j'ai fini. Hop là, j'arrivais à 246, la vache. Bon, allez, on change de jeu parce que, mine de rien, c'est chiant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est chiant, t'as toujours mis des textes là, mais qui s'affichent. Hein. Dernier jeu, c'est Donkey Kong. Hein. Donkey Kong, donc et là, ils ont revisité actuellement le vieux Donkey Kong de 80. De 80 à l'époque où il était sorti sur arcade en 80 et plus tard il est devenu bon à l'époque Mario à l'époque c'était Jumpman hein. Oh putain la vache ça je m'en suis rappelé de ça bon après c'est l'un de mes préférés en plus allez adieu Yopra. Allez, allez, allez. Vas-y. Et merde, je me suis fait heal. Bien. Et encore deux heals. Putain, je suis pas bon. Attention. Allez, allez, allez. Et c'est bon. Paf. Donkey Kong par terre. Allez. Et là, j'accède au deuxième level. Tandis que Peach est en train de tricoter. Non, elle tricote. C'est pas vrai. Elle tricote. C'est fou, elle est en train de tricoter. Qu'elle se fasse sauver en tricotant. Elle tricote. Bon, allez, blague à part. J'ai fini ce bordel. Bon, écoutez, je vais vous montrer le tout dernier, qui est la version ancienne de Game & Watch et on s'arrêtera là, d'accord? Allez. Oh putain, alors ça c'est vieille os de 80 en plus. Et merde. Ah, je suis pas doué en plus. Mais putain, mais je suis pas doué, putain! Mais je rentre sur cette putain de porte là. Allez, arrive là. Allez, ouvre là, bouge! Putain, il met 4 heures à s'ouvrir cette putain de porte. Bon, mais voilà. Voilà. Vous l'avez vu. Bon, je suis pas doué à la version Game & Watch, mais bon. Bref, je préfère la version ordinaire. Enfin, je préfère le moderne. C'est beaucoup plus mieux. Tandis que la version ancienne, c'est bien 1000 fois plus galère. Parce que il ouvre pendant 4 heures. Il rouvre pendant 4 piges cette putain de lourde. Et toi, comme un fou qui attend pendant 4 plombes, hop, tu te fais une après. Voilà. Sur ce, voici, c'était Game & Watch. Ceci est la fin de ce test rétro. Voilà. Enfin, sur ce rétro-test, voilà. Ceci est la fin de ce rétro-test, voilà. J'espère que cela vous a plu. Et voilà. Donc, c'était Game & Watch Gallery 2. Donc, c'était un peu les compilations de quelques certains jeux de Mario. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a un mode à débloquer. Un mini-jeu à débloquer, mais je ne sais pas lequel. Voilà. Bon, sur ce, la jouabilité de ce des mini-jeux sont pas mal. Et il y a quelques musiques, quelques thèmes qui sont pas mal. Bon, à mon avis, bon, après, c'est que du mini-jeu, donc du coup, il n'y a rien de très très particulier.
Je vous dis merci, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo en ligne. Et ça a encore une fois coupé. Ça fait 3 fois que je fais une coupure. Bref, j'en ai ras-le-bol des coupures. Vivement les boîtiers d'acquisition parce que là j'en peux plus. L'émulateur, j'en peux plus. Mais j'ai pas le choix de faire avec. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, sur ce, ciao ciao. Merci d'être là. Et abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas la petite cloche pour la prochaine, pour les prochains tests qui vont arriver. Allez, sur ce, je vous dis bye bye. Et